collectif qui fédère les actions de tous les acteurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Bénin, à l'instar donc des autres pays, s'est inscrit dans une dynamique de promotion et de développement de ce sport qui est participatif et inclusif. Et c'est cela qui nous a permis donc d'obtenir les internationaux de la victoire du Bénin, qui est un événement international. Et nous avons tous ces pays qui sont venus et ont traversé des frontières pour être à Cotonou et nous les progresser. À présent, l'organisation a mis tout en œuvre pour que la compétition soit bien organisée. Nous vous invitons, chers athlètes, chers responsables à divers niveaux, les responsables des officiels et les officiels, de donner le meilleur de lui pour que les athlètes qui sont venus de leur pays puissent partir avec une satisfaction morale. 2017. Et je remercie le président du Comité national olympique des sports de Bénin pour avoir cru dans la fédération béninoise de badminton. Et je remercie tous les participants, tous les pays participants et vos joueurs. Et là, et à la courtoisie et le fair play. Merci à vous. Mesdames et messieurs, les responsables à différents niveaux, les équipes de badminton venues de tous les pays, messieurs les représentants de la Fédération internationale de badminton, recevez les salutations fraternelles du mouvement olympique et sportif béninois. Merci d'avoir accepté de faire le déplacement sur vous. Une fois encore, félicitations à tous les pays, à toutes les équipes participantes. Félicitations tout de même à la Fédération béninoise de badminton. Je déclare ouvert ce jeudi